On est parti pour la game 2, les gars. Donc là, il y a eu deux game tests. Et pour la première, j'ai fait quatrième. On aura trois games. Objectif top 4 au bout des trois games. Vas-y, voilà. Bon, prends-moi le port d'ail ici. Tout simplement, il n'y a pas trop de débat avec le reste. Faut être focus avec le port d'ail parce qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'adaptations. Alors, la game. Pas d'Uran, pas de compo Mecha Uran. Encore une game bizarre sans bête. Ouais, putain, c'est encore une game tempo en 4, ça j'ai l'impression. Ouais. C'est à peu près la même game que tout à l'heure. Hein. Démon, dragon, mecha, murloc, pirate. Je vous dis démon en 5, ça pue. Le dragon en 5, ça pue. Faut forcément chercher les 6 avec ça. Puis on veut pas jouer dragon. Mecha, ça peut jouer en 4. Murloc contre mecha, c'est chaud. Pirate, c'est trop spécifique. Après, si on va chercher Elisa très tôt, c'est bien. En vrai, ça freeze, c'est pas dégueu. Mais seulement si on reste A. Peut-être juste freeze ça. Parce que j'aime bien un token si je veux rester A. En même temps, niveau token, y a pas grand-chose. Hein. Un peu bizarre cette game. Ah, j'espère que Zorg veut bien up là. Autrement, je prends lui, une Tulio pour Chaturi up, mais bof. Go up. Juste go up. Bon, pour moi, le start est plutôt nul là. Pas mal ça. Milouz, achat, double vent, vente, double achat. Rush 3, ok. Je suis pas rush 3, moi clairement pas. Il a rien sur le board. On va lui mettre 7, c'est bien. Isara, c'est greedy. On peut essayer de lui casser la gueule rapidement. Est-ce qu'il meurt rapidement, lui? Genre, en vrai, là, s'il a une mauvaise taverne au prochain tour, il est au fond de sa vie. Hein. Là, son prochain tour, il est ultra décisif. S'il a un mauvais tour, sa game, elle est limite finie. Hein. Juste dans un lobby où ça va jouer tempo. Ok. Probablement prendre ça vu les shops. Je prends quand même la paire, mais bon. Prendre la paire quand même. On a triple. Le truc, c'est que j'ai une réduction au prochain tour.
Mais bon, je mets que je freeze pour chercher quand même un 4. C'est compliqué, il y a vraiment beaucoup de 5 qui sont nuls. S'il y avait eu bête, évidemment, on aurait cherché à 5. Double triple. C'est d'avoir vos spés ou ma trône là. Ou même Raflor vu que j'ai avoir un autre triple au prochain tour. Et Katank est très très bien ici, on va casser des bouches, c'est bien. De toute façon, là, au prochain tour, c'est quand même compliqué d'aller chercher à 5. Et comme je t'ai dit, ça va globalement mal se mettre. Parce que même si j'ai Bran, il n'y a même pas Uran. C'est clairement pas une game pour chercher des 5. C'est pas non plus une game insane pour 4. Parce qu'il n'y a pas Elam, mais bon. Du coup, il n'y a pas le. C'est un peu une game bizarre pour aller chercher des 6, mais là, avec des. Des repos random, c'est compliqué. Il va réussir à me battre là, c'est une dinguerie ça. À droite? Oh mon dieu, putain. Eh bien, moins 5 là-dessus. Ça dégoûte un peu. La paire à nouveau peut-être. Hein. Peu de chance qu'on triple, mais si on triple, c'est propre. Bon, le problème c'est que j'ai triplé des cartes qui sont pas insane en mid game non plus, mais peu importe. On va lui casser la gueule, mais enfin sauf si on se fait scam comme là. Dommage que j'ai pas eu de la value, genre Matron c'est vraiment le best à avoir, mais bon. Il dirait qu'il se fait casser la gueule, mais ça, il fallait s'y attendre. Il a tué l'autre. Isera, nous voilà. Et voilà mon main verte qui est de retour. Bah, groupe main verte. Hein. J'ai limite envie d'acheter le Defecto là. J'ai envie d'acheter ça, mais.
C'est trop mon bro, ma verte. C'est trop mon bro. Il me reste un rôle, je peux virer 1, 2, 3 et acheter un truc. Deuxième ma verte. Ouais. Château, on va up quand même. Hein. Les mains vertes vont se boost l'un l'autre, mais c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de réussir à le tripler après, surtout. Pour qu'il meure de suite ou qu'il tape là, pour que je proc un maximum les ripop et que je scale. On va le tuer. Merde, on perd un ripop. 2, 4, 6. On aura quand même 2 procs de ma verte normalement. J'avais dit que c'était un peu greedy là, la Isera. Je l'ai rejoué hier. J'ai fait top 1, mais c'est pas les mêmes lobbies et j'ai vraiment chaud. Et j'ai une meilleure game qu'elle. Ça, c'est bien. Ah, c'est le tour 8, il va choper un bon truc potentiellement. Oh nice, oh les nuts, ce timing incroyable. Go prendre un... Ah peut-être que je peux aller chercher un 6 en vrai du coup. Chercher un 6 c'est bien je crois. Je crois que j'ai changé mon placement évidemment. Je vais faire ça et je pense que je prends ça en main et chercher un 6 au prochain tour. Et je vendrai un truc pour up achat. Ça sur Omega éventuellement. Encore un. Nice. Le problème c'est que nous on attaque pas les morts, il faut qu'il y ait un autre mort rapidement. La carte, ouais. Faut que je garde ça chez Elisa. Mais lui c'est un double tone, peut-être c'est lui que je vends ma trône. De toute façon je vais pas jouer Gangrop Terre. Je pense que c'est lui que je vends, j'ai envie de garder le double tone. Elisa ou Omega. Fait chier. Piard.
C'est nul. De toute façon, je voulais pas jouer grand groupe terre, honnêtement, dans cette game. Mais ouais, fallait les deux autres. Je fais le drop pas là-dessus, quoique, peut-être que. Peut-être c'est quand même ok maintenant qu'il a des stats. Je pense que c'est quand même ok. Si on joue que plusieurs taunts, c'est ok le taunt, je crois. Ouais, je perds, mais en même temps, il joue ultra tempo, lui, comme moi d'ailleurs, mais sauf que ben, moi j'ai pas touché mon 6. Là, si j'avais touché mon 6, j'aurais pu le battre, je pense. Ah, c'est très malheureux les 6 qu'on a eu. Ah, il nous casse la gueule, putain. Average 13, moins 18. Fuck. On peut tag le mort, nice. Nice, nice, nice. J'ai pas trop envie de perdre des points de vie. Par contre, je peux jouer avec des rip-hop. On est bien plus fort que lui, mais c'est bien. Au prochain tour, on aura ça. Je prends ça en mal gardé. J'ai ça, mais il faut peut-être que j'attende d'abord de voir le 6 que j'ai avant de jouer ça. Juste prendre ça. Et c'est trop un autre truc à booster ici. Fort, si j'ai Omega, eh bien, si j'ai Elisa aussi, il faut que je le pique. Juste hier. Je vais comme ça pour essayer de proc des plantes et value de ma verte. Faut que j'ai un bon 6 au prochain tour avec ça. Hein. Pourquoi pas un bon sac doré? J'ai peut-être dû décaler les deux là. C'est cool. La verte a bien proc. Faille forte dorée. Ouais, je peux up si je loupe, mais si je touche, c'est chiant d'up. Amiral. Une fois ou d'autres formants.
J'aurais peut-être dû tonte le déflecto aussi, mais sur Eclipse, c'est chiant. J'essaie de booster Baron avec ma verte. Ouais, j'ai respecté le cliff pour Baron s'il est mis en first. Ok. Là, j'aimerais bien rester 5 pour essayer de choper d'autres Forban et Tony. Et virer le pirate que j'ai là. Ah, ils sont en proc. Ça part en tout cas le Vifor Dory. Même si pour moi il n'y a pas une scène avec un seul Forban. Top 3, let's go. Allez au bout. J'ai une héroïne, je sais même pas si c'est value de le faire là-dessus honnêtement. C'est plus 2 plus 1, là je donne 7 3 à 5. Je me dis que ça proc quand même, mais j'en suis pas sûr. Je vais voir si j'ai pas une héroïne à rentrer à la limite. L'héroïne non. Loul. Un petit Forban. Rejetons avec ça, c'est pas ridicule non plus, hein. Place de ça, mais bon. Je sais pas si ça marche. J'ai peur que ça le tue et que ça proc pas mon truc, mais normalement oui. Début du combat, votre serviteur au poids de vie est plus bas. J'ai peur que ça bug. Je vais pas le faire, je méfie de Blizzard. Hein. Parce que je pense que je suis fort et si jamais ça proc pas, je suis au fond. Vu que j'ai jamais fait, j'ai pas envie de prendre le risque. On va voir un autre 6 du coup. Ok, top 2. Six pirates. Je crois qu'il joue Scam. Je crois qu'il joue Scam. Du coup, virer ça pour Seigneur du 8, ça peut être bien. Ça me coûte 4 de up. J'ai pas envie de up. Si je joue Scam, il faut que je prenne Nako. Au lieu de ça. Ça paie bien. Merde, j'ai encore envie de le garder. Y'a pas de Forban. Je
Et puis joue scam. Droite. Droite. On bloque les rip-hop. Nice. Il est trop big. Trop d'Elisa dorée. Yep. Bon, top 2. Top 4, top 2. C'est vraiment bien parti. C'est vraiment très très bien parti. Ce qui veut dire que j'ai actuellement 6. Je crois que j'ai 10 points. J'ai 10 points. Donc en gros, si je fais top 6 à dernière, ça devrait suffire pour se qualifier. Top 5. Objectif top 4, mais je sais pas de prendre de risques, quoi, clairement. Je sais pas si on peut avoir trigger les scores. Ok, vous bientôt me partager les scores. Be right back. Je vais vite aux toilettes. J'arrive. Bonne game, c'est cool. J'ai redémarré le jeu aussi. Ah, j'ai les points. On est deuxième avec 10 points. 13 points pour Dapidou qui a fait premier, deuxième. Troisième ex aequo, c'est 8. Et après, du coup, c'est 5ème, c'est 6. Donc j'ai 4 points d'avance sur celui qui veut essayer de venir nous target, quoi.